passer. Tu vas finir comme MC Hammer. Faut que je fasse rentrer plus de cash dans la M26 que 10 Hammer. Et qui des drips comme Sylvio Foren. Inch'Allah 20-30 Dakar comme Pakistan avec des grosses forêts. Top boy comme à New York, top boy comme à Londres. Hey, c'est Amaïkoum, merci à s'abonner, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre les amis. Bon, en ce moment, je re-upload les vidéos de Freeze, mes réactions sur Freeze parce qu'ils ont été effacés, etc. Il y avait des problèmes avec les droits d'auteur. Ils sont bloqués dans certains pays, je sais pas quoi, voilà. En plus, ils sont pas sur cette chaîne, ils sont sur l'autre chaîne. Et du coup, là, je suis en train de les re-uploader. Et voilà, il y a un mec qui m'a commenté hier, ouais, tiens, en retard, j'ai posté le chien avec Gazo, je crois, Drill 4. Et ça se voit, s'il me suit depuis le début, j'avais Drill 5, je dis ouais, j'ai kiffé Drill 4, c'était pas mal. C'est juste des re-upload, et en plus dans le titre j'ai mis re-upload. Je re-upload, je viens pas de réagir, je re-upload. Tu vois, c'est le truc que j'ai fait quand elle est sortie. Et là je vais lancer Freezrael, Tarkov, tout ce que j'ai fait. Orlin, donc voilà, surtout de Freeze, parce que c'est eux qui ont été bloqués dans certains pays. Et voilà. Mais sinon là les amis, aujourd'hui, une nouvelle chanson qui sort. Featuring Freeze, toujours les amis, Guy de Barbare. Voilà, on m'a dit que la chanson, elle a fuité, ça fait 50 ans, et que tout le monde l'a écouté. Moi, j'ai peut-être vite fait un petit extrait. On va voir comment ça va être, là. Il y a un clip, il s'appelle TPM. Je sais pas ça veut dire quoi, TPM. Mais voilà. On va s'écouter ça, tant qu'il y a un clip, et c'est marqué que c'est tourné à Barbès. Et j'ai vu, quelques extraits aussi, que dans le clip, il y a la police qui a intervenu et tout. Donc voilà. C'est un peu le bordel. Même, il y a une petite, encore une petite, tout petite, pas polémique on va dire, mais voilà, Freeze, il a réagi à la Licra quand ils ont dit ouais, tout nos soutiens à Mila, etc., etc., vous connaissez, il a dit ouais, non, il a dit ouais, notre soutien à Mila, ils ont dit ouais, tous derrière Mila, ou la liberté à Mila, et il a dit et la mienne, genre, et ma liberté, je sais pas quoi, oh là, il est trop fort ce mec, bref, donc voilà, Freeze Corleone, comme prévu les amis, je vous ai dit, on attend la petite édition de LMF, et après, il va disparaître pour de vrai, hein. Il va revenir en 2022, ça va être un truc comme ça, je le sens. Mais voilà, là pour l'instant il faut profiter, il faut l'écouter. Et voilà, c'est ce qu'on fait les amis. Juste avant qu'on commence, n'hésitez vraiment pas à venir rejoindre sur mon Instagram. Très très important les amis, vous ratez beaucoup de trucs. Ça fait juste ici, lien dans la description. Et aussi de liker, de s'abonner, d'activer la cloche. Très très important, c'est parti. Quel bail chacal. Kiki, gros billet dans mon tickets. Bitches, dans la caille, je fais des bitches. Pas des négros qui disent des sottises. Demande à Gazo. Les bons mots sont remplis de cocaïne. Bam, assez. Non, qu'est-ce qu'il fait là, Gazo, frère? En plus, je viens de parler au début, j'ai dit, j'ai plus des la Drillcat, Gazo et Freeze. Et là, d'un coup, il sort la même punchline sur Drillcat, tu vois. Les bonbons en plus de cocaïne, bao, Tex, oh, tu connais frère, n'hésitez pas d'aller voir la réaction pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, soyez à l'affût là, j'ai re-uploadé pas mal de vidéos, et on est toujours à l'affût, donc activez la cloche les amis pour rater aucune de mes vidéos, voilà, c'est la réga là dans ce moment, bref, il y a l'album de Zola, il y a l'album de Kalash Krimi, dites-moi si vous voulez que je fasse des réactions sur ça, voilà, mais pour l'instant là, Guy de Barbare, ça va, ça passe, ça fait le taf, on va pas dire que c'est ouf, voilà, mais pour moi, ça va, ça passe. La petite intervention là dans le clip et en même temps dans le sang de Gazo, il a dit demande à Gazo, nanana, il est venu, il a fait son petit bail et voilà, c'est vraiment propre, la réalisation pour l'instant aussi, donc voilà, je kiffe, c'est le plus important, c'est parti pour écouter la suite. Oh, c'est bon, tu peux mourir, tout le monde connaît mon réseau. C'est la carrière, un pack de balles dans le mur comme un graffiti. On m'a fait buter par un petit déter de la taille à Mimimati. Et ouais, Bastel Singer, we bay. Calibre, chercheur, bye bye, top boy comme à Londres. Amérique comme à New York, Libérien, mes négros à Londres. French bleu, qu'on est dehors, équipe pour y creuser ta tombe. Dans quel poser sa tombe, merci le Seigneur dès que ça tombe. Équipe Corleone, Jésus, équipe au-dessus, B2, concu. P2, avant ce qui est de T2. Depuis j'ai rempli Vlad Caillé. Pour mes négros, faut Vlad à grailler. Tu peux mourir, TPM.
Ils sont obsolètes comme BBM. Scam, scam, VPN. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Scam, scam, BBM. Oh là 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 là. Ma gueule. Frisquant, allez, une révélation de l'année, je le dis pour la 10 000, je sais pas combien de fois, frère, pour la 1 million de fois, c'est la révélation de l'année, frère. Avec un album 100% rap réussi, frère. Le seul à faire ça en France, c'est un truc de fou, hein. Bon, il y a Gims qui dit qu'il va sortir un 100% rap, mais j'y crois pas du tout, les amis. Il y a eu quelques fuites vite fait de l'album et j'ai vu qu'il a mis des hits et voilà. On verra bien dans la sortie, mais là pour l'instant il envoie que des hits. Chaque semaine il envoie des hits, tu vois. Qu'il publie, il est très actif Gims en ce moment. Mais voilà, sinon Freeze Corleone, la dernière réaction qu'on a fait sur lui, c'était featuring avec Django et Roi Enoch. Elle était vraiment pas mal cette musique, voilà. Il y a beaucoup de gens, quand j'ai dit que j'ai pas aimé la voix de Roi Enoch et tout, j'ai pas compris trop son couplet et tout, il y a beaucoup qui ont dit ouais, je sais pas, il faut avoir un niveau bac plus 20 pour comprendre ses couplets. Bon, moi j'ai pas compris, j'avais un problème avec sa voix, j'ai pas trop kiffé, mais sinon Django et Freeze, voilà, ils m'ont convaincu, donc le string était vraiment pas mal, il est rentré dans ma playlist, la preuve. Freeze Corleone, il a été trop provoqueur sur le son. Voilà, le gouvernement les écoute, Foké Mbappé, apparemment on n'a pas le droit de parler de tu vois, ils censurent. Voilà, juste avant il a sorti un autre featuring, c'était avec Nahir, Monogramme, incroyable son, il est toujours dans ma playlist, il écoute pour l'instant, que ce soit le couplet de Nahir ou le couplet de Freeze, c'était incroyable frère. Et j'attends la réédition, je veux pas qu'il parte comme ça sans réédition, parce que voilà, ça serait vraiment dommage. Rédition, au moins il met 600, tu vois. 600, ça passe. En plus, après, s'il fait comme Timal 12 titres, moi, ça me dérange pas. Mais qui me fait pas comme Soul King ou d'autres rappeurs qui te rajoutent 200-300, voilà. Laisse tomber. Pas 200-300. Minimum 6. Voilà. Minimum 6. Un petit featuring qui fait plaisir. Tu vois. Pas forcément avec une équipe de 6-6-7, tu vois. Avec l'équipe. Peut-être Niska, peut-être des mecs un peu connus dans le rap, peut-être Nino. J'aimerais bien voir Freeze Corleone, Nino, frère. Mon meilleur rappeur de l'année, Nino, voilà, c'est pas discutable, donc voilà, avec Freeze, ma révélation de l'année, frère, j'aimerais bien avoir un featuring sur de la drill. Bon, là, c'est de la drill, hein, y a pas de, tu vois, Freeze Corleone, 90% de ses musiques, de la drill, tu vois, mais j'aimerais bien avoir, tu vois, Problème du matin, comme elle était shot sa mère, alors la musique, frère, j'ai kiffé de malade, j'ai fait la réaction, n'hésitez pas d'aller voir aussi. Voilà, Freeze Corleone, Nino, ça va donner un truc de fou. J'espère qu'ils le feront le plus tôt possible. Bref, la réussite de l'année. Bon, j'ai publié sur mon Insta et tout, pour ceux qui ont vu, ceux qui sont à l'affût. Le projet de l'année, le meilleur projet de l'année, voilà, c'est celui de Maes, Les Derniers Salopards. Il a fait presque 300 000, presque triple platine. Voilà. Après, il a sorti en janvier, tu vois, tout était ouvert, la Snack, etc. Il n'y avait pas de pandémie et tout. Et les gens, ils pouvaient acheter sur la Fnac et tout. Bon, on va dire ça favorise vite fait. Après, il y avait le, en mars, je crois, c'était début du confinement, je crois, l'album de Miss 3. Moi, je crois, si Miss 3, il aurait sorti en janvier, il aurait fait soit pareil, soit plus que Les Derniers Salopards. Je pense, hein, je pense. Mais sinon, voilà. Pour moi, la mixtape de l'année ou l'album de l'année, ça reste Miss 3 quand même. Bon, il y a LMF qui est bien. Il y a le projet de Damso, j'ai kiffé aussi. Il y a le projet de Lacrime, qu'on baladait pas trop. Il y a pas mal de projets qui sont sortis que j'ai kiffé et que j'ai mis dans ma playlist, etc., etc. Mais voilà. Comme je vous ai dit, c'est bon, Nino il a sorti la réédition de Mills, il peut partir. En plus il a dit sur Skyrock qu'il allait disparaître, il va pas avoir de projet jusqu'à 2022. Mais Freeze, voilà, une petite réédition, après il disparaît s'il veut disparaître. Bref, là TPM, ça veut dire quoi? Il a dit un moment, mais voilà, on verra tout à l'heure. Négro t'es dépassé, tu vas finir comme MC Hammer. Faut que je fasse rentrer plus de cash dans la N26 que 10 Hammer. Des drills comme Silvio Foreign, Inch'Allah 20-30 Dakar comme Pakistan avec des grosses foraines. Top boy comme à New York, top boy comme à Londres. AMS LDO,
NRM7, équipe pétasse, tu connais frère. Là j'ai vraiment kiffé, voilà, tu peux mourir, c'était PM, c'est ça. Voilà, le clip il est vraiment propre, voilà. Tourné la nuit, il y avait une petite intervention de la police, ils ont fait un tour. Mais voilà, c'est à Barbès, il y avait la petite team 7, il y avait la petite team Barbès. Qu'est-ce que je te dise. Donc voilà, la petite mafia là. Donc j'ai kiffé. Voilà, c'est le plus important. Le clip, bon, il est pas ouf non plus, tu vois. Il y avait un petit truc de lumière. Il y avait pas mal de plans qui c'était pas mal. Mais voilà, c'est pas le clip de l'année ou voilà. Et la DJ Libéré nous referait à Londres. Donc je sais pas s'il parle de... Je sais pas, il parle de quoi. Mais si tu fais référence à Londres, c'est parce que c'est eux qui sont le plus, on va dire, populaires ou les premiers à utiliser de la drill dans le monde. Et je sais pas s'il fait référence à ça ou pas. Mais voilà. Bref, ils ont assuré les deux. Bon, Freeze, il a pas lâché son meilleur couplet quand même. Voilà, je m'attendais à mieux. D'après son dernier couplet là sur S.O. Le Flemme avec Django et Roi Enoch. Je crois que c'est son meilleur qu'il a donné au featuring. Je crois. Il y a celui avec... Ils veulent me faire à cause de mes propos. Le featuring avec Nahir, il était pas mal. Mais sur S.O. Le Flemme, il était encore plus. Alors, voilà. Peut-être lui, il a été enregistré bien avant... Et je sais pas, ils ont tardé à sortir le clip ou quoi, mais voilà. C'est pas le meilleur coupé de Freeze, loin de là. Mais voilà, ça fait le taf pour moi. Je sais pas si je vais le mettre dans ma playlist. Les amis, si on doit noter ça, un petit 7 sur 10, voilà. C'est vraiment mérité, on va dire. Et c'est pas mal pour un featuring et un clip comme ça. Les amis, c'était la réaction d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas de liker, de s'abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vos amis fa. Bye bye. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.